Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, c'est la vidéo où je serai le moins à l'aise. En tout cas pour vous apprendre une figure. Là, on va parler du Rubik's Cube. Demain, je sais plus, on parlera de Smoothitude, mais aujourd'hui c'est le Rubik's Cube. C'est vraiment une figure que je sais pas très bien faire. Je sais vraiment... Enfin, c'est pas que je sais pas bien la faire, mais je sais la faire. Mais ça réussit pas à tous les coups et je manque de précision. Parce que j'ai l'habitude en fait d'enchaîner les mouvements, tu vois, d'avoir plusieurs axes en même temps, de mettre un peu de yo, de mettre un peu de roll, un peu de tout. Et du coup, je travaille pas ma précision, tu vois, pour arriver sur des rotations vraiment très précises, tu vois, c'est pas vraiment mon type de vol. Donc c'est pour ça que je galère quand même pas mal du tout, mais c'est un super exercice. Voilà, pour ceux qui savent pas, le Rubik's Cube, c'est en fait un enchaînement de roll et de side flip avec le quad quand vous avez pas trop de vitesse. Enfin si, vous pouvez en avoir, mais le but c'est, vous prenez l'élan, voilà, vous prenez l'élan un peu en l'air, comme sur pour toutes les figures, tac. Tu fais ta figure, par exemple, un front avant, tac, mais à moitié. Là, tu fais une figure complète et là, tu reviens en front. Voilà, ça, c'est le Rubik's Cube basique. Après, je sais pas si ça a vraiment des noms différents, mais tu peux le dériver, quoi, sous plusieurs figures. Genre, au lieu de commencer avec un front flip, comme ça, tu peux commencer avec un backflip, voilà, un demi-backflip ou un demi-side flip. Après, faire une rotation complète et après, retourner. Tout est possible. Et c'est pour ça que c'est super, ça peut vraiment être compliqué parce que ça chamboule un peu ton cerveau, parce que t'as pas forcément de repères, ça va très vite. Et faut, en fait pour y arriver, je pense qu'il faut vraiment beaucoup s'entraîner et que ça devienne une habitude, enfin tu réfléchisses pas quoi, faire la figure, bam, parce que ça va vraiment super vite. Tu peux le faire de deux manières différentes, moi j'aime bien le faire lentement, justement hop, je vais en arrière comme ça. Je mets un peu de roll et un peu de yo parce que j'ai 30 degrés, donc il faut que je compense pour avoir une belle rotation bien droite et hop, je me remets droit. Ça, j'aime bien le faire, mais j'ai du mal à le faire très rapidement. Comme on va le voir sur le simulateur, ça chie un peu, ça chie souvent. Mais le but, c'est après cette heure-là de training, vous soyez meilleur que moi. Donc là, c'est pas compliqué, je pense. C'est pas compliqué d'être meilleur que moi là-dessus. Mais je vais vous donner la motivation pour faire votre training, ok? C'est parti, let's go. Voilà, on y va. Alors, la base, c'est ça. Tac, tu regardes en arrière, tu reviens. Ça, c'est vraiment la base. Tu t'entraînes à faire ça, comme ça. T'en fais plusieurs fois, rapidement, pour essayer d'avoir un espèce, enfin, de comprendre à quel moment tu dois tourner. Tu vois, là, je sais que c'est là. Pam, et là, j'entame ma rotation. Et là, je reviens. Là, je suis pas assez droit. Tu vois, en fait, il faut voir parfaitement l'horizon. Donc là, je suis pas tellement bien. On va se remettre. Là, je suis pas mal. Tu entames la rotation et tu reviens. Moi, j'ai deux variantes là-dessus sur la rotation. Soit tu mets du roll pur, c'est-à-dire comme ça, tac, et tu reviens. Soit tu mets un peu de yo. Le yo, parce que si t'as zéro angle de caméra, faut pas en mettre du yo. Enfin, attends, tu vas voir. Mais si t'as un peu d'angle, si t'as 35-40 degrés, je pense que ça vaut le coup. Hop, tu mets du yo. Ça permet d'avoir une rotation plus propre, quoi. Là, j'en ai mis beaucoup trop. Là, j'en ai mis un peu trop. Là, je fais le normal. Tac. Vous avez vu, je fais toujours du même côté, tout simplement parce que je m'entraîne toujours de ce côté. Et c'est vrai que quand tu débutes, c'est bien de faire l'autre côté, comme ça, tac. Même quand tu débutes pas, en fait. Tu t'entraînes des deux côtés, c'est le mieux pour avoir une homogénéité dans tes vols à chaque fois. Et c'est mieux. Alors, ce qui est bien avec cette figure, c'est que elle est pas facile parce que il faut bien doser à chaque fois. Et ce qui est... même si tu veux pas la faire dans tes vols, elle va te servir justement pour ton pilotage. Quand tu pilotes vraiment très près du sol, tu vois, tu tournes un peu dans tous les sens, tac, hop, t'as un peu la tête à l'envers. Le fait de s'entraîner sur cet exercice, ça te fait connaître un peu ton environnement, voir à quel moment t'as la tête à l'envers, voir à quel moment faut mettre les gaz ou pas. Et je pense et je trouve que c'est pas mal à ce niveau-là, de faire cette figure pour s'entraîner. Après, sur la figure pure, vous avez un million d'enchaînements, comme je vous l'ai dit tout au début. Tu peux commencer avec un side flip, faire un truc complet, revenir. C'est vraiment infini, tu peux faire le nombre de rotations que tu veux. Donc c'est vraiment l'avantage de cette... l'avantage et l'inconvénient de cette figure, quoi, tout simplement. Parce qu'elle peut être très simple, pour si tu la fais vraiment très basique et très lentement. Voilà, là c'est assez simple. Mais elle peut être très dure si, hop, tu l'enchaînes, tac, tu mets plein de rotations, parce que si... il y a une rotation qui chie, tu vois, tu mets un peu trop... au lieu d'atterrir bien droit, t'atterris un peu comme ça, ton autre rotation, elle va se lancer comme ça, et pas comme ça. Donc, c'est pour ça que ça peut être compliqué, parce que si tu fais une erreur sur la première rotation,
bah t'as toutes tes autres rotations qui sont pas bonnes quoi, en quelque sorte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ne lâchez rien les gars, entraînez-vous, moi je vais m'entraîner là aussi parce qu'il faut que je bosse cette figure et je vous dis tout simplement à demain pour voir la smoothitude. Ouais c'est ça, ouais, j'ai fait une petite feuille avec marqué smoothitude, on verra trajectoire de vol et tout ce que je vous conseille. Bref, à demain, ciao, bon vol et bon training.